Like that we can listen. Челюскин. Вы звали Тару? Прием. Нет, 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 я не вас вызывал, я просто проверяю, проверка на суда. Понял, понял, есть. Всего доброго, включаемся. А он не подскажет? Луик, est-ce qu'on peut dire que le passage du Nord-Est, là, c'est gagné? Bah ouais, c'est, on y est vraiment presque là, c'est, le cap est juste là, il y a encore un peu de glace, mais ça fait deux jours qu'on fait ça, donc on va y arriver là. Donc le cap Chelyuskin, c'est un cap mythique pour les marins? C'est un cap, c'est le point le plus nord du continent asiatique. Pendant des décennies et des décennies, c'était pratiquement infranchissable parce que tout le temps pris dans les glaces. Et puis là, bah, depuis, au plus le temps passe, avec le réchauffement climatique, ça se libère comme cette année encore. Ça a mis du temps, il y avait un petit peu de retard par rapport aux années précédentes. Mais ça a fini par passer, encore une fois. Donc là, on peut dire que le détroit de Vilfinski, on n'a pas eu trop de difficultés en fait pour le franchir. Bah non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça a été beaucoup plus facile que ce qu'on avait pu imaginer. Ça fait une semaine qu'on attend que la glace se libère et de manière un peu surprenante, on a eu tout un corridor pendant 200 milles qu'on a pu emprunter sans trop de difficultés. Et ensuite, en mer de l'Aptef, ça sera des eaux libres. Ouais, là, il y a encore un peu de glace à la sortie, là, sur une cinquantaine de milles. Et puis après, normalement, on doit retrouver un peu de tranquillité d'esprit et pas trop de glaçons. Ouais. Pour aller à terre, que ça va être un peu compliqué, il y a un mur de glace là. Johan, alors le passage du Cap Chelyuskin pour toi, ça représente quoi? Ça représente les derniers zigzags dans la glace pour l'instant. On va essayer de ne pas se planter ici, ce sera dommage, mais ouais, on tient un bon bout là, j'essaie de trouver un trou là, je le trouve pas, et je pense qu'après ça on est bon.